Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc là, on va faire un petit outfit of the day. Donc on va commencer par la gueule. Donc au niveau du make-up. Non, au niveau du make-up. Donc c'est ça, au niveau des yeux. Donc j'ai mis. C'est quoi ça? Ah, j'ai mal estompé à ce niveau-là. Ah non, c'est mon truc, ouais. Non, je crois que j'ai mal estompé, mais en fait, c'est que j'ai un problème à l'œil. Enfin, je vais vous embêter avec ça. Donc là, j'ai mis. Le Paint Pot Coral Crêpe, donc qui était d'une émission limitée. Je ne me rappelle plus c'est laquelle. Enfin bref. Ensuite, par-dessus, j'ai mis le fard Amber Light de chez MAC. Donc là, c'est Made in MAC, hein. J'ai mis le fard Amber Light de chez MAC. En dessous, ici, j'ai mis un fard doré de chez MAC. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et là, j'ai mis Steamy. C'est un bleu turquoise de chez MAC. En haut, j'ai pas fait un. Enfin, j'ai juste mis un peu de crayon, mais juste dans cette, au milieu. Au coin extérieur, en fait, j'ai mis du crayon de la palette Naked, donc c'est le Whisky, donc du Urban Decay, que j'ai après estompé. En mascara, j'ai mis le Cover Girl, là, le truc là, l'Hash Blast, le truc machin chouette. Donc j'ai essayé de faire en sorte que ça fasse pas trop pâte d'araignée. Je sais pas si vous voyez. Au niveau du teint, en base, j'ai mis une base de chez Agnès B. Donc c'est la crème, je sais pas comment ils appellent ça, crème embellisseur à l'abricot. C'est la fameuse crème, je crois, elle est très connue, donc je pense que vous savez de quoi je parle. Donc je l'ai mis en base. Par-dessus, j'ai mis mon fond de teint Stila One Step. En bronzer, je viens de recevoir aujourd'hui, donc j'ai acheté à Diablo Cerise le bronzer universel de chez Chanel. Donc je l'ai testé aujourd'hui. Bon, là, vous n'allez rien voir à la caméra. Alors je vous dis, là, vous me voyez blanche, mais pourtant, je suis allée, parce que j'ai dosé. J'ai mis là de la poudre là, j'ai mis de la poudre partout. Donc en réalité, j'ai un teint allé, mais là, vous me voyez blanche, comme de par hasard. Enfin bref, donc j'ai mis le bronzer et en blush, j'ai mis un blush de chez ELF, c'est le blush mousse Heartbreaker. Voilà, pour les lèvres, là je vous ai poustillonné à la gueule. Pour les lèvres, j'ai mis un rouge à lèvres de chez MAC, c'est une collection To The Beach, là c'était Lazy Day. Et par-dessus, j'ai mis un gloss encore de chez MAC, je ne me rappelle plus c'est lequel, je crois que c'est une édition limitée aussi, donc on s'en fout. Les boucles d'oreilles, bon c'est Talulatu, mais n'achetez pas chez Talulatu. Je les mets. Tout simplement pour rentabiliser parce que j'ai payé très cher. Mais ne les achetez pas sur ce site. Allez chez Mary Jane ou Kim Mademoiselle. Kim Mademoiselle aussi, c'est pas mal. Ou chez Mary Jane. Mais n'achetez pas chez Talulatu. Hein? Ne copie pas. Ne copie pas. Ne fais pas la même erreur que moi. Ok? Ensuite, pour les cheveux. Alors, c'est The Coupe bizarre. Hein, voilà. Parce qu'en fait, c'est un reste de coupe. Je me suis bouclé les cheveux hier. Je me suis levée, mais bon. Les boucles, elles ont un peu une tête bizarre, donc j'ai attaché en fait derrière, j'ai fait un chignon et j'ai laissé juste devant, voilà. Mais après, je regardais, j'ai rien fait aujourd'hui, hein. Ça date d'hier et ça tient encore. Voilà, je vais me lever. Alors, je n'ai pas d'autres bijoux à part les boucles d'oreilles. Je porte une robe longue en fait, très très longue. J'ai une robe longue qui se trouve comme ceci. Voilà, et avec une veste marron, un peu velours. Donc là, il y a des poches. Comme ceci. Donc là, c'est les manches trois quarts. Voilà, j'aime bien le col, comment il fait là. Là, c'est un petit peu retroussé à ce niveau-là. Hop, et je trouve que ça fait très très bien ensemble. Voilà. Et voilà ma tenue du jour. Donc voilà, donc franchement, c'est parti en freestyle. Je ne savais pas du tout comment m'habiller ni comment maquiller. J'ai pris mes palettes MAC, je me suis fait un make-up, j'ai fait une petite inspiration du jour. Ça a donné ça, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre qui va avec ça. J'ai choisi les boucles d'oreilles, je me suis dit, ça va rappeler Steamy. Après, je me suis dit, quelle robe je vais mettre. Bah, j'ai décidé de mettre cette robe-là, et du coup, j'ai mis la veste qui va avec. Voilà, c'était du freestyle. Et la robe, je sais pas si vous avez vu, elle est trop belle, n'empêche, hein, regardez. Je l'ai achetée, alors je sais pas s'il y en a partout dans toutes les villes. Mais moi, dans ma ville, il y a plein de petites boutiques tenues par des personnes asiatiques. Et notamment une rue où il n'y a que ça. Que des petites boutiques comme ça asiatiques. Et pendant l'été et tout ça, ils font beaucoup de robes de ce style-là. Et ben ça vient de là. Donc j'ai pas dû l'acheter cher, j'ai dû l'acheter 15 euros, quelque chose comme ça. Mais elle est trop trop belle. Dommage que vous ne pouvez pas voir de haut en bas. Mais elle arrive vraiment jusqu'au parterre, quoi. Elle est vraiment très très longue. Donc j'ai pas encore. Oui, je vous ai pas montré mes chaussures parce que je sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre. J'ai du mal à décider en fait. J'hésite entre mettre des talons compensés ou des talons normaux. Je sais pas trop quoi mettre. Donc voilà.
Donc, c'était ma petite tenue de jour. Voilà. Donc, j'espère que ma tenue vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le dire. Si c'est pas le cas, bah, ne me dites pas. Je déconne. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si bien sûr ma gueule vous revient et je ne vous ai pas trop saoulé. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des personnes qui s'abonnent. J'en profite aussi pour remercier toutes les nouveaux abonnés. C'est vraiment incroyable. J'ai de plus en plus d'abonnés. Je remercie aussi Christelle. Parce que je sais que le fait qu'elle ait parlé de moi sur sa chaîne y est aussi pour beaucoup. Je crois en une journée, j'ai dû avoir 100 abonnés de plus. En une journée, quand elle a parlé de moi dans sa vidéo sur la revue du Ventin que je lui ai envoyée. Donc merci Christelle. Merci. Non, merci beaucoup. Ça fait énormément plaisir. Voilà, c'est vrai que voir qu'on a de plus en plus d'abonnés, ça fait comme, même si je suis pas du tout à la course aux abonnés ou quoi que ce soit, mais de voir que les gens apprécient ta chaîne, apprécient ce que tu fais, bah tu dis bon, ça va, je raconte pas que de la merde, les gens, ce que je fais c'est un peu potable. Donc voilà, donc pouvoir partager tout ça avec vous, ça me fait énormément plaisir. Je vais arrêter là, hein. je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous, profitez du temps, enfin quand il fait beau, parce que là aujourd'hui ça fait un petit peu beau. Donc sortez de chez vous, hein, restez pas planté devant votre ordinateur. Allez vous balader avec vos copines, vos amis, votre famille. Il fait tellement beau dehors, il faut vraiment en profiter. Donc voilà, donc moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. Et voilà, j'espère que vous portez bien les filles. Mouah, mouah. Ciao, ciao!